Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un nouveau chasseur de com, épisode 3. J'espère que ça vous fait plaisir, ça fait très longtemps que vous l'attendiez, vous étiez très nombreux à me le demander. Pour ce com, il fallait donc mettre 17 minutes 07, hein. Clairement, je ne voulais pas faire 17 minutes à bloc, c'était beaucoup trop long sur 13 km, 14 km, c'était beaucoup trop long, je voulais pas faire un effort aussi long, ça m'aurait cramé en fait. Je venais juste de reprendre les entraînements dehors. Et je ne voulais pas passer 20 minutes à bloc, c'était beaucoup trop. Du coup, j'ai fait le choix de le faire tranquillement, hein. Clairement, on l'a fait tranquillement. Vous pouvez voir que j'ai mis 23 minutes et 22 secondes, alors que le premier a mis 17 minutes et 7 secondes. Je suis donc au classement 14e. Donc, c'est vraiment pas terrible, mais bon, hein. Clairement, le but, c'était de faire des petits points. Vous pouvez voir que j'ai donc fait 3 points en finissant 14e, c'est toujours ça de prix pour le classement général. D'ailleurs, la vidéo classement général arrivera bien sûr à la fin de cette série, ne vous inquiétez pas. On fera un gros topo de tous les points que j'ai pu marquer durant cette série. En parlant de ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide vraiment à faire connaître la chaîne. Et plus on est nombreux dans le peloton, plus c'est cool. Bon, comme vous avez vu, on est passé par le contre-la-montre, on l'a fait vraiment tranquille. On est très loin au classement, je crois qu'on est 11e, on a marqué que 6 points sur ce contre-la-montre. Mais c'est toujours 6 points de prix parce que de toute manière, on ne l'a pas vraiment joué. Donc voilà, c'est 6 points gratuits. Bon, on est dans le col de la côte de la Côte d'Issyre et comme vous pouvez voir, ça monte pas mal. Il fait 600 mètres, il y a 4% de moyenne et il y a une voiture qui arrive. Je disais, il y a donc 4% de moyenne, 4,4 pour être précis. 600 mètres de com. Donc ça va, c'est pas très long, c'est pas très pentu, c'est un peu plus facile que le com du Clounet qu'on aura aussi dans le défi. Mais pour le coup, ça risque quand même de faire très mal aux jambes. Le record est donc à 1 minute et 11 secondes, je crois. Donc il va falloir quand même rouler très vite si on veut avoir le com. Normalement, ça doit être jouable, on va voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à pédaler. Le com commence maintenant dans ce virage. Et on commence par un com en côte. Et oui, effectivement, c'est les meilleurs, c'est les plus durs et on adore ça. C'est une côte qui est un petit peu en trois paliers. Il y a d'abord ce palier qui monte pas beaucoup, mais qui est très long et qui fait très mal aux jambes. On peut voir que je stagne un petit peu ici, mais ça va. C'est pas non plus la catastrophe. J'arrive à relancer et ça se passe plutôt bien pour le moment. Il fallait que je fasse 1 minute 02 pour récupérer le com. Ensuite, vous pouvez voir, après ce virage-là, c'est là que la côte commence vraiment. Là, c'est un mur, hein. Il y a quasi 10%, ça fait vraiment super mal aux jambes. Mais là, on voit que je me débat avec le vélo, je donne tout. Je relance jusqu'à la ligne d'arrivée qui arrive encore un petit peu plus loin. Je donne tout, je donne tout. Je vais lancer le vélo sur la ligne et je vais faire 1 minute 06. Effectivement, il fallait faire 1 minute 02. Je suis donc deuxième. Et je marque encore une fois quelques points. Mais je ne suis pas premier, je marque seulement 30 points. J'ai fait ce com en 35,9 de moyenne. Donc c'est vraiment pas si mal vu le pourcentage de pente. Mais pour le coup, je suis encore une fois deuxième. Hyper dur. C'est tellement court qu'en fait, c'est hyper intense. Je sais pas comment je suis monté au cœur, vous avez sûrement vu avec la vidéo. J'étais tellement à bloc. Quand t'arrives en fait dans le virage là, t'as déjà fait tout le début, donc ça monte un tout petit peu. Tu te dis putain, j'avance rien. Et là, t'arrives dans la grosse côte. T'avances encore moins et encore plus à rien. Et là c'est super long, ultra dur. J'espère que je suis premier parce que sinon je le sais. Bon, je viens de voir les temps. J'ai perdu, je suis deuxième à 1 seconde encore de Emile. Donc je sais pas qui c'est, je l'ai pas trouvé sur internet. Il est très fort, je sais pas sincèrement. On avait encore une fois 20 passes dans cette côte, donc c'est vrai que ça dépend aussi des autres. Hein. Le joueur, on peut jouer beaucoup, surtout sur ce genre de type d'effort très court. 1 seconde, je vous avoue que je suis vraiment dégoûté. Bon, c'est pas grave, on est quand même deuxième, on marque des points sur ce segment. Il reste plus qu'à marquer un maximum de points sur tous les autres segments pour essayer d'être bien placé au général. Maintenant, il nous reste cette côte qui va être très compliquée, autant vous dire qu'on l'a faite en descente. Moi, ça me fait peur personnellement. Donc on verra bien, on doit mettre 3 minutes pour être premier. On va tout donner, on verra bien. On partait donc pour un com en côte qui était très difficile, hein. Franchement ça montait beaucoup. On avait surtout plusieurs paliers, ça faisait que de monter très fort et passer sur du replat et ensuite monter encore plus fort. Donc c'était quelque chose de très irrégulier et on pouvait pas prendre un rythme en fait, fallait tout le temps relancer, relancer, relancer. Et c'était assez compliqué du coup de se mettre dans un rythme assez soutenu et qu'on peut tenir tout le long de l'effort. Le com commence juste ici, après le stop, et on voit que je pars directement à fond, hein, car clairement, sur un com aussi court,
eh bien, faut tout donner dès le début, hein. Et vous allez voir que là, on va tourner sur la droite, et c'était un petit passage assez technique, comme vous voulez voir. Je passe entre les plots, et je vous avoue que c'était très serré, mais j'ai pris au plus court, hein. J'ai pris au plus court pour perdre le moins de temps possible. Là, on enchaîne avec un petit passage vraiment très serré, et là, on va enchaîner sur des routes vraiment de campagne plus, vraiment éclatées. Il n'y a aucun rendement, c'est limite des graviers par moment, bah, comme ici par exemple. Donc franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour rouler vite, mais c'est pour tout le monde pareil. Ici, on avait encore une fois le vent, pour le moment trois quarts face, et puis après vous verrez, il y a un moment où on va tourner sur la droite, et vous verrez qu'on a vent totalement de face. Et autant vous dire que le vent est très fort aujourd'hui, et ça fait vraiment très mal aux jambes. Donc là, c'est un moment où c'est replat, et ça commence à... Enfin, on peut rouler plus vite, mais on a l'impression de stagner en fait. Moi, j'avais l'impression de ne pas aller assez vite pour gagner ce com. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps à cet endroit-là en tout cas. Là, on peut voir que ça remonte un petit peu légèrement et que ça va continuer comme ça jusqu'au bout du com, ou du moins jusqu'au stop où il faudra tourner sur la droite, mais ça arrive juste après. Et là, après avoir passé cette voiture, on peut voir que ça monte très fort. Ça, c'est un des pourcentages les plus difficiles de cette côte. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ah, déjà, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus loin ce passage-là. Et je me suis dit, je suis déjà ici, bon, là faut tout donner, c'est maintenant en fait, c'est le moment le plus important, le plus fatidique, tout simplement parce que c'est là où ça monte le plus. En plus, là, comme vous pouvez voir, il y a un stop, et il faut tourner sur la droite. Sauf que le souci, c'est que même si on tourne sur la droite, s'il y a une voiture qui arrive de la gauche, il faut faire très attention, hein, on n'est pas là pour mourir. Donc j'ai beaucoup ralenti, j'ai perdu pas mal de temps, hein, j'avais personne pour me dire si je pouvais passer ou pas. Donc j'ai ralenti, hein, j'ai pris aucun risque. Et on peut voir que là, du coup, j'ai un petit peu de mal à me relancer. En plus, comme je vous ai dit, après le stop, on a vent de face. Donc là, c'est encore plus compliqué. Et là, ça va repartir dans une partie très montante. Hein. Ça paraît pas là comme ça à la GoPro. Mais dans les jambes, je vous jure que ça paraît très clairement. Hein. Ça fait vraiment très mal aux jambes. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je suis plutôt pas mal. J'avais vraiment l'impression d'être vraiment pas mal parce que j'avais des super jambes. Hein. On va pas se le cacher. J'avais vraiment de super jambes. Et j'en voyais plutôt pas mal. J'avais pas l'impression d'être collé. On voit même que j'arrive à relancer. Et jusqu'en haut, je vais réussir à relancer comme ça et appuyer. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, j'avais repéré, mais je savais que l'arrivée était au stop qui arrivait après. Mais je pensais que l'arrivée allait arriver juste après cette petite côte. Et en fait, on va avoir un replat qui est quand même assez long, plus long que je le pensais en fait. Et c'est là que ça va faire un peu mal au moral, parce que tu te dis, tu pensais que ça allait être l'arrivée, et en fait, non, faut continuer à pédaler. Donc on voit que là, je relance, parce que je pensais que l'arrivée était ici. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus loin, et ça va faire très très mal aux jambes, comme vous allez pouvoir voir. Il fallait faire 2 minutes 56 pour gagner. Et là, je savais que j'étais dans les temps. On voit d'ailleurs le panneau stop à 150 mètres. Donc là, faut embrayer. C'est maintenant. Et c'est jusqu'au bout. On donne tout. 2 minutes 56. Est-ce que je vais réussir à le faire? Dites-le moi dans les commentaires. Mais je ne sais pas pour le moment. Je donne tout et je ne peux pas trop savoir ce que mon compteur. Voilà, j'avais pas les temps. Je vais passer cette ligne en 3 minutes 08 à la 3ème position. Bon, je viens de finir le com de la Pilardière. J'ai mis 3 minutes 08. Pour être premier, il fallait faire 2 minutes 56. Pour être deuxième, il fallait faire 3 minutes tout pile. Je suis troisième. Je suis actuellement troisième. Bon, mes deux adversaires principaux sur ce défi au classement général sont devant moi. Et je vous avoue que là, les jambes, je sais pas si c'est parce que ça fait une semaine que tous les jours on fait 2-3 coms et que je suis cramé, ou si je suis juste cramé parce que j'ai pas roulé hier. Mais en tout cas, là, je suis éclaté, j'avançais vraiment rien. Ah, après on peut pas se reprocher, on a donné tout ce qu'on avait et on verra bien pour le classement général. On verra bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker un maximum. N'oubliez pas de partager à vos amis la série si vous avez des potes avec qui vous roulez sur ce travail ou vous faites les coms. Ça peut être assez marrant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.